Lundi 17 septembre 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal sous Télévision Nationale d'Haïti. Mais un grand titre pour Assoya. Nouveau Premier ministre pays d'Haïti, Jean-Henri Séan, investi officiellement dans poste lundi 17 septembre pendant une cérémonie qui déroulait dans le Palais National. Jean-Henri Séan joint une bénédiction palmant pendant le week-end 14 pour arriver 16 septembre. Président République Jovenel Moïse installé nouveau Premier ministre Maître Jean-Henri Séan en poste lundi 17 septembre en primature. Nouveau chef gouvernement renouvelé volonté la détermination li pour les servir pays pendant les remercier chef l'État pour confiance li placé dans lui. Secrétariat technique État généraux sectoriel Nation a rencontré plusieurs représentants partis politiques et organisations de base lundi 17 septembre. Divers problèmes politiques pays a fait face ténamitant discussion ça. Dans la nuit de samedi 15 pour arriver dimanche 16 septembre, deux agents police nationale l'ont mouru à balle après un bouche l'ouvri au Téguien d'après porte-parole PNH l'an, Michel-Ange Louis Jeune. Et puis l'actualité en l'autre bord de l'eau, aux États-Unis, 17 moun ont perdu la vie et puis 1 million kay endommagé. Yon fan qu'on a salué et puis remercié tout le monde qui branchait information yo sous Télévision Nationale d'Haïti. N'a souhaité nous yon très bonne semaine. N'a démarré tout de suite avec Téléjournal San en page météorologique là pour nous connaître qui genre conditions temps y est pour Assoya et pour semaine ça et ses collaborateurs nous, Wilner Polidor qui prend le côté pour nous toute information sous temps. Bonsoir Wilner. Merci parce qu'on branche télévision à son Haïti. Nous c'est seule télévision dans l'heure ça cap dou comment condition météorologique là et c'est kounya sous région de parler comment situation est. Nous gagnons une zone de basse pression qui trouve au sud de Cuba et cap influencer toute région sud du pays d'Haïti et gagnons l'autre creux en surface qui trouve au nord du pays d'Haïti et situation ça provoque un temps nuageux sous pays là et Jean Noël sous image satellite là. Nous gagnons un temps qui très nuageux sous pays d'Haïti. Les nuages vont persister au cours de journée là. Et certains départements en ce moment que nous avons parlé à gagner activité la pluie intermittente sous zone ça et surtout département de l'Ouest Jean Carwell gagner activité la pluie pendant journée. Qui ça crée ça c'est situation je vous dis là creux en surface là avec zone de basse pression et Mazéra qui est très humide sous pays d'Haïti. En ce sens, je dis en attendant avec quelques activités la vie faible à modérée, même forte sous quelques départements. Jean Noël, toute région sud là concernée par activité la vie, ça a eu, et c'est des activités la vie capables fortes, modérées à forte sous région sud là, mais l'autre, sous l'autre département, c'est quelques averses faibles à modérée, mais vraiment en attendant quelques coups de l'orage et sous plusieurs départements pour aujourd'hui et en fin d'après-midi, en soirée ou au cours de nuit, nous avons une activité la plus sous pays d'Haïti. Pour capitale avec zone qui environ les lions, nous capitale qui nuageux en ce moment pendant la paléa. Les nuages ça persister au cours de journée et même en soirée qui a provoqué quelques activités la plus sous totalité quartier qui trouvait le sous capitale là qui environ les capitale là. En ce sens, je dis encore nous avons une activité la plus en journée et en soirée sous capitale avec zone qui environ les lieux, même si c'est des averses capables de faire à modérer, mais aussi n'obtenir des coups de l'orage et avec un point éclair dans le ciel pour le prince avec zone qui environ les lieux. Nous avons une température jeudi qui monte jusqu'à 32 degrés, là fait moins chaud par rapport avec jour passé et la nuit là c'est 22 degrés la descente. N'a bien autant qui fraîche par rapport avec couverture nuageuse, n'a bien en journée et en soirée et activité la pluie. La mer agitée sous côte
nord pays d'Haïti et golfe de la Gonave, mais région sud aussi l'a agité à faute. Et par rapport avec l'activité de la vie que nous devons demander mon précaution, parce que non seulement visibilité a réduit, mais aussi n'a gagné vent très fort sous côte sud pays d'Haïti. Faut capter mieux prend en pile précaution avec prudence en sous côte sud pays d'Haïti par rapport avec activité la pluie. Et pour pas dire sur les mouvements sur la prochaine jeudi à 6h49 et la pas levé demain matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner. Et je nous annonce dans le grand titio, Palmo haïtien a ratifié déclaration politique générale Premier ministre Jean-Henri Séan week-end passé. Après plusieurs temps débat dans le Sénat et la Chambre députée pour présenter problème département et circonscription par le Premier ministre, le Parlement a accordé votre confiance à déclaration politique générale Premier ministre Jean-Henri Séan. Falande Delphin avec Mobile TNH Lan a présenté nous un reportage en suivant ça. Il fait 3h30 dans l'après-midi, vendredi 14 septembre 2018 là. 28 sénateurs étaient déjà répondus à côté réunis en assemblée pour estater sur déclaration politique générale Premier ministre là, Jean-Henri Séan. Après 16 heures de débat contradictoire, vote yon fait le samedi matin 15 septembre. 21 sénateurs votés pour, 5 contre et puis 2 abstentions. La déclaration de politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan vient de bénéficier d'un vote de confiance par 21 votes pour, 5 contre et 2 abstentions. Le samedi 15 septembre, dans l'après-midi, M. Jean-Henri Séan, qui était accompagné avec le membre du gouvernement, est rentré dans la chambre des députés. 93 députés qui étaient répondus présents dans cette séance-là, passé 11 heures à interagir avec le Premier ministre pour présenter différents problèmes de circonscription dans le pays. 84 pour, 50 et puis 4 abstentions, c'est le résultat de votre député pour ratifier la déclaration politique générale de Jean-Henri Séan. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan est désormais Premier ministre de la République d'Haïti et il y a une correspondance qui va être adressée au président de la République pour lui communiquer les résultats de ce vote. Premier ministre Jean-Henri Séan, qui dit les couilles dans la vision chef d'État Jovenel Moïse, prend engagement pour le travail pour améliorer les conditions de vie qui dans divers coins dans le pays. Je prends engagement pour moi-même, pour tout gouvernement avec moi, pour nous démontrer que nous avons mérité votre là, que nous avons mérité l'accompagnement que nous avons mis pendant moi. Continuez à croire dans l'équipe SACLA, surtout dans la vision président, que je crois là-dedans, que je voulais accompagner, avec lequel je cherchais toute harmonie. Pour que enfin Haïti capable de jouer une toute petite lit qui met tête ensemble pour nous faire battre qui choisit de bien pour pays. M. Jean-Henri Séan remplacé dans tête primatie Dr. Jacques Guy Lafontaine qui était démissionné dans tête gouvernement après événement qui était passé 6, 7 à 8 juillet. Voilà, maître Jean-Henri Séan, Premier ministre tout neuf pays d'Haïti, a investi officiellement dans le poste lundi 17 septembre dans le cadre d'une cérémonie qui déroulait dans le Palais national. C'était occasion pour le président républicain Jovenel Moïse remettre en piliation par nouveau Premier ministre Lan à notaire Jean-Henri Séan, 61 l'année, 22e Premier ministre président Jovenel Moïse. Les remplacer dans le poste ça, Dr. Jacques Guy Lafontaine. Maître Jean-Henri Séan applaudit tout sacrifice chef l'État a fait pour arriver à nommer un nouveau Premier ministre dans le pays. Pendant le chef gouvernement dit, il est conscient de l'urgence moment et puis il garantit le pape dormi sur tout travail qui doit être fait pour créer stabilité sociale et politique dans le pays. Certaines règles essentielles basées sur la culture de résultats devront imprégner l'action gouvernementale en vue d'accroître ses chances de succès. Le gouvernement aura un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des résultats à atteindre selon les priorités définies dans le temps imparti.
Les feuilles de route seront indicateurs clés et de délai. Nous ne pourrons jamais obtenir de nos collaborateurs des performances et des résultats si nous ne donnons pas cet exemple. Le Premier ministre que je suis ne fera pas exception. La satisfaction de l'usager sera notre boussole dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Nous observerons une équité méticuleuse vis-à-vis des agents et des usagers pour que chaque citoyen reçoive ce qu'il mérite. Mise en place nouveau gouvernement ça dans tête PIA, ses résultats, plusieurs consultations, président Jovenel Moïse, avec divers secteurs dans la vie nationale là, spécialement avec président de branche parlement. Dans l'intervention, le chef de l'État a demandé au Premier ministre pour mobiliser sous plusieurs projets pour soit l'initiative administration là déjà à travail. Et spécialement dossier utilisation fonds Petro-Caribéa pour assurer par une droite politique qui entre dans la démarche ça qui est réservée à la justice pays d'Haïti. Les chantiers qui vous attendent sont difficiles, mais exaltants. Ils vous ont été énumérés dans d'autres circonstances. En prenant les bonnes mesures, nous pouvons durablement et positivement changer les conditions de vie de la population. Vous devez réussir à trouver et signer avec le secteur privé des affaires un pacte pour l'emploi et la croissance inclusive. Trouver une solution durable à la question du salaire minimum. Permettre au pays d'avoir une assurance médicale universelle et obligatoire. Accélérer les travaux en cours dans le domaine des infrastructures énergétiques, agricoles, routières, hydrauliques, etc. Trouver le mécanisme financier approprié pour la construction des salles de classe manquantes afin que tous les enfants en âge scolaire rentrent à l'école dans de bonnes conditions et y restent. Encadrer et continuer les travaux entrepris dans le cadre de la réforme de l'État. Appliquer strictement l'arrêté sur la réduction du train de vie de l'État. Mesures appropriées pour la résolution des crises sociales dans les quartiers. Améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et vous assurer que la nouvelle armée en construction soit mobilisée dans le vaste chantier de réhabilitation de l'environnement. Le Premier ministère doit permettre à la nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Petro-Caribé. C'est trop chirépite dans le pays déjà. Trop chirépite déjà. Pour venir l'autre chirépite encore son nouveau dossier. Pour que nous dépolitiser le dossier ça. Pour un charge au Premier ministre. Ce week-end qui se passe là, M. Jean Risséan franchit étape ratification politique générale li devant deux branches parlement. Sorti 14 pour arriver 16 septembre 2018 là. 21 sénateurs votés pour, 5 votés contre et puis 2 sénateurs fait abstention. Dans la chambre basse là, 84 députés votés pour, 5 votés contre et puis 4 députés fait abstention. Nous avons toujours été dans le dossier installation nouveau Premier ministre haïtien, Maître Jean-Henri Séan, jeudi lundi 17 septembre 2018, l'an, pour nous faire connaître nouveau chef gouvernement renouvelé volonté avec détermination la police vie pays pour d'aller profiter, remercier chef l'État pour confiance l'y placer dans l'île. Anne-Marguerite Auguste avec Mobile TNH l'an a présenté un reportage. Cérémonie ça a été occasion pour le Premier ministre sortant, Dr. Jacques Guy Lacontant, dresser bilan différentes activités qui réalisaient dans tel gouvernement pendant 18 mois qui passaient dans la primature. Ancien Premier ministre l'a dit reconnaître que le pays a fait face à une situation difficile. C'est pour raison ça, l'équipe qui a dirigé a pris engagement pour entreprendre la réforme institutionnelle, là, créer stabilité politique et sociale dans l'objectif pour arriver à améliorer les conditions de la population. Dans ce sens, il souhaitait le nouveau chef gouvernement suivre trace des décisions qui commençaient pour faciliter un apaisement social. Monsieur le Premier ministre, vous le constaterez par vous-même, dans la logique républicaine de la continuité de l'État, nous mettrons à votre disposition ce riche bilan de l'administration Moïse Lafontaine que vous aurez vous-même
l'opportunité d'apprécier la réforme institutionnelle de l'État, le lancement de la réforme du système de santé, les efforts de redressement du système éducatif, l'initiation de la lutte contre le déboisement et la déforestation, la mise en place de grandes infrastructures routières, l'initiation de vastes et ambitieux programmes d'électrification, la valorisation et la compétitivité de l'agriculture haïtienne, la marche impérieuse de la caravane de changement, la mise en place d'une ébauche de protection sociale, la lutte contre la corruption, les efforts de redressement, de rationalisation de la diplomatie haïtienne en constituent la trame essentielle. Nouveau Premier ministre, M. Jean-Henri Seyan, dit lui quoi dans la vision président République là. À travers vision ça, il renouvelait l'engagement, la détermination pour servir le pays. M. Jean-Henri Seyan rappelait événement 6, 7 à 8 juillet, montrer méfiance population vis-à-vis dirigeants. C'est pour ça qu'il a annoncé équipe la dirigée après le travail sans prendre souffle pour satisfaire revendication population. Il est donc de mon devoir de vous rappeler les éléments principaux de l'action gouvernementale. L'organisation des élections de 2019 pour assurer l'alternance politique. La mise en place d'actions de développement à incidence très immédiate sur le sort de nos compatriotes, notamment les jeunes et les femmes. La poursuite et la mise en œuvre des réformes d'envergure, tant sur le plan institutionnel qu'au niveau des infrastructures économiques et sociales. Il est donc obligatoire que l'action gouvernementale soit orientée portant, souligner l'encre forte de tolérance, de rigueur, de responsabilité partagée, de confiance mutuelle et de solidarité que nous adopterons et que nous devons adopter. Conscient de en ce moment, chef de l'État République l'a rappelé, nouveau équipe gouvernementale là, Yann Améyo. Mission yo, c'est pour bailler résultat pendant la continuer faire stratégie pour joindre plus bon moyen pour répondre à exigence yo. Gagner les batailles les plus difficiles. Le bon ouvert à la santé d'Haïti au bonheur de ce pays. Cérémonie installation nouveau premier ministre a été déroulée en présence de ses anciens premiers ministres, membres anciens gouvernements, quelques membres d'un grand comité d'État, familles, amis, approches, collaborateurs, chefs gouvernement. On a profité enchaîner ensemble avec député circonscription Baraderlan, Patrick Norzeus, qui est un membre du groupe majoritaire dans la Chambre députée, qui saluait façon séance ratification déclaration politique générale. Premier ministre Jean-Henri Seyan est déroulé dans la Chambre députée. Député Patrick Norzeus a participé dans l'émission mise au point sous télévision nationale d'Haïti. La prépondre question. Collaborateur nous, Jean-Serge Niolindor. C'est une évaluation de politique générale. De toute façon, ce sont des ministres, c'est le premier ministre et des ministres qui mettent en œuvre et l'évaluation de politique générale. Donc, puisque ça est le ministre, on peut, dans le débat sur l'évaluation de politique générale, là, nous avons tout mettre en question, nous ne pouvons pas mettre en œuvre. Allez, que, si dans le débat sur l'évaluation de politique générale, là, il se trouve que mon ministre, c'est le légitimité du ministre. Pour faire les deux à la fois. Et c'est ça qui va le passer, c'est que, en plus, le député s'est fait les deux à la fois. Le tout que la question sur question éligibilité, ensuite, on va la question sur déclaration lui-même. Parce que, déclaration, quand même, il y a quand même avec mon doigt l'appliquer là. Et c'est peut-être ça même que, ouais, et commission, et c'est là, et chambre députée, hein, où est au moins des dossiers ministres, il y a le fait enquête sur ministre, c'est parce qu'on n'a pas qu'à détacher ministre de mise en œuvre déclaration politique. Même ça, nous ne pouvons pas prérogative, nous vous demander vous voyez que ce ministre. Puisque c'est un président, vous ministre, vous choisissez. Non. Ça, c'est une bonne chose. Écoutez. Non, mais écoutez, mais c'est des gens qui pourraient mettre en œuvre une déclaration politique générale, qui pourraient travailler pour l'État. Donc tout nous est-il que faut qu'on l'ait. Par exemple, si Mounza, puisque la Constitution fixe les critères pour mon. Pour mon ministre, pour le secrétaire, pour mon ministre, il est normal que vous étudiez les dossiers de ces personnes-là pour qu'on ait si justement ils répondent à critères constitutionnels. La commission a été reconnaître que bon, toute ministre était éligible,
sauf et ministère, sauf le nommé Osner Richard. Comprenez? Donc, à ce niveau, ça va poser problème. Pas dit pour les partis qui sont dans le bloc majoritaire. Non, moi, député Baudet, tu as souligné que c'est pas sûr. Non, pas dit pour les partis qui sont dans le bloc majoritaire, non. Mm-hmm. Mais pour le bloc majoritaire, on fait plusieurs réunions, ça a été un choix que nous pas posé, et le bloc majoritaire n'a pas posé ministre. Pour moi, le rôle de premier ministre, tu fais ton action comme premier ministre, mais il faut toujours songer que, qu'il y a un chef d'État qui a été élu, qui a été présenté une vision sur le devant une nation, qui sanctionne le par vote. Moi, je comprends. Et que c'est Mounsa qui a donné à la fin de ce mandat pour faire bilan et qui vous dit si vous êtes menti, si vous n'êtes pas menti, vous êtes pas électoral. Donc, fort action là comme premier ministre était en ligne, en harmonie avec cette vision. Assurément, quand vous discutez avec le président, puisque c'est pour le mettre en œuvre à travers des classes politiques. Vous discutez avec le président, vous avez une originalité, vous avez une énergie, vous quand on a capacité de gouverner, quand on a leadership, pas sans pas le faire, pas mieux, ni en contradiction, ni à l'antipode de sa vision de chef d'État qui est élu, parce que pour lui, ça n'est pas élu, pour lui, ça c'est ce monde qui a un mandat du Parlement, ça dit. Et puis, nous avons enchaîné ensemble avec député circonscription Gressier, Antonio Verriquin, qui dit voter en faveur du gouvernement Jean-Henri Séan pour mettre l'ordre dans toute qualité des ordres qui gagnent dans la société, tant coup, insécurité, chômage, la misère, grand goût et la trier. Député Verriquin dit, attends-li, c'est où le gouvernement s'il a agi vite pour résoudre le problème ça y est. Un extrait dans le micro Fédner Confident avec Moïse Wilde. Nous votons, oui, parce que après plusieurs consultations que nous prenons dans la communauté, nous, après plusieurs chita parler, nous rendons compte que le moment est arrivé pour que nous votons. Parce que après deux mois, un pays a fonctionné sans gouvernement et chaque problème que vous adressez et yon responsable dit que pas de gouvernement, yon démissionnaire, yon pas capable d'agir en conséquence, et bien nous même nous te dit que pays a pas qu'à attendre, donc pays a pas qu'à attendre encore. Donc il y a nécessité à ce que nous doter pays à de une nouvelle équipe qui pourra aller adresser les différents problèmes auxquels fait face le peuple haïtien. Parmi les problèmes, nous citons dans le cadre national problème insécurité qui a fait rage un peu partout et insécurité a venu sous différentes formes. Nous croyons que faut que nouvelle équipe qui a mis des ceintures, mis des pantalons dans la taille pour combattre différentes formes d'insécurité. Il y a les problèmes environnementaux que le pays en général, mais en particulier Port-au-Prince, le département de l'Ouest en général a traversé, et bien parce que l'État et l'exécutif doivent prendre les mesures appropriées afin qu'elle porte solution à ces différents problèmes-là. Nous disons que gagner des problèmes que moi-même particulièrement adresse-moi avec le ministre de la Justice ainsi que le chef du gouvernement qui automatiquement et chef gouvernement qui c'est chef CSPN, non, nous adresser un problème de conflit terrien et qui au jour le jour a grandi pendant commune Gressier pour dire que gagner plusieurs autres communes, mais moi-même, à parler en connaissance de communes que je connais bien, il y a un groupe de citoyens, un ensemble de monde qui, à un moment donné, est capable de décider pour monter sur tel monde, il y a tout qui prend des espaces qui appartiennent à l'État, qui sont des propriétés privées de l'État, et bien, on monte sur eux. Donc, moi, c'est que, c'est une vanne qui ouvre et que nous souhaitons, nouvelle équipe qui là, prend toutes les décisions nécessaires et imaginables pour résoudre, problème Zayo qui a tracassé la population de Sia. Nous avons annoncé le grand titre tout, secrétariat technique État généraux sectoriel nation, rencontré avec plusieurs représentants pardon, partis politiques et organisations de base lundi 17 septembre. Ensemble, problème politique pays a fait face, tenant mi-temps, discussion si là. Un extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Fresnel Toussaint. Pour pas que ça lui-même lui dans la réalité, qu'on y a ça qu'on a sorti comme tendance
comme attente, comme aspiration peuple là. Qu'on a ces partis politiques qui ont vocation pour les transformer en action et demande population et aspiration. Et ça que fait PAC là, et ces partis politiques qui doivent attraper, qui doivent approprier le document ça, et pour même le traduire en élément de programme, en élément de projet, en élément de politique publique. Donc c'est ça qui justifie un compte n'a fait avec organisation politique, et avec parti politique, et en petit groupe, ne pas prendre en pile, de telle sorte que chaque monde qui est là, capable de parler avec, non, et il prend le temps que vous voulez pour parler. Donc nous avons des groupes de patio, n'a bien pour nous venir sur l'eau, donc nous pouvons rencontrer chaque coordonnateur peut-être un à un, avant qu'il soit capable de faire une rencontre plus ou moins formelle. Moment arrivé, vous prenez l'autre pause dans le téléjournal, dans les téléspectateurs, n'a pas vu tout, restez branchés, n'a pas tout de suite. Merci pour fidélité nous avec patience nous. Deuxième tranche en journal là, à l'ouvrir avec inscription Cap Haïtien Jean-Étienne qui exprimait préoccupation li face à phénomène qui a développé dans la zone là. Côté dans une famille, il y a 6 personnes qui mourent. Funérailles moun sa yo chanté dimanche 16 septembre. Parlementaire a mandé la justice et la police nationale prend responsabilité pour permettre enquête qui l'ouvrient capable aboutir sous dossier ça. En suivant bout dans déclaration. Si on fait vraiment terrible, et si on moun ta dit pas bon préoccupation totale capitale là-dedans, c'est pour pas avoir un citoyen. Et moi, c'est bien malheureux, c'est dans la circonscription là qui est passé. Et à mes fois, je me dis là, c'est pas une première fois. Et toujours tout à balle critique à responsable local. Et parce que faut penser à la famille. Et je souhaite que mon local haïtien prenne en charge la vie de mon. Et demande tout à la commission gouvernement, à la justice. Et pour capable mettre en branle, pour capable chercher cause gain. Parce qu'il n'y a pas pour près deux ou trois, par mois, six pour moi dans la famille. Et on dirait que moun nan zone ça, sur en Blue Hills, et c'est là ça passe plusieurs fois, et tu apprends que son pratique et son mauvaise pratique pour la société. Hein. Et me déplorer, l'équipement déplorer, les populations capoisantes, je suis certain que tout le monde est en nord. Et ça fait mal, même à l'étranger, je donne feedback, côté que sous ces moun nan nord courrier, il n'y a pas de bons signes. Et moun pas sentir à l'aise sur ces empoisonnements. Et qu'est-ce qu'ils ont révélé? C'est toujours encore dans la nourriture, dans le jus. Et son coup dur. Mais nous connaissons la ville du Cap Haïtien, son ville hospitalière, son ville accueillante. C'était que c'est l'IPA étalé sur toute ville là. Et ça nous éradique, nous coupe la route. Et non seulement nous faisons sentimentalement, mais nous faisons avec la justice tout. Le commissaire gouvernement, juge, Kazek, Azek, le délégué de ville, maire. Et nous cherchons une solution adéquate pour nous prêcher dans la famille, prêcher dans la radio, dans l'église, pour nous faire nous apprendre à respecter la vie, apprendre à connaître tout le monde, tout le monde à la vie. Et moi-même, selon le contact que j'ai fait, on dirait que j'ai gagné de l'arrestation. On dirait que parce que nous, le commissaire gouvernement nous regarder, nous allons venir pour nous dire à la presse, pour nous dire à la population, et qui cause qui fait la famille ça tomber. Et si l'arrestation apprenait, si il y a un monde qui pourrait prendre punition, on apprenait. Nous parlons de l'environnement ensemble avec mairie Port-au-Prince qui travaille pour renforcer capacité dans le cadre de gestion FATRA. D'après porte-parole mairien Olwich Jolie qui expliquait, institution a déjà plus passé une quinzaine de camions pour continuer à ramasser FATRA et puis Kembe commune propre. Porte-parole l'a rapporté plus loin. Magistrat principal, là, Yuri Chevry, Chita Palais semaine passée, hein, avec représentant mairie Minnesota. Discussion au Téchita sous accompagnement municipalité, ça, avec mairie Port-au-Prince, sous question gestion FATRA. Olwich Jolie a porté plus d'explications. Non micro, Louinel Jean-Louis, avec Lydier Dieudonné. La mairie est renforcée sans équipement. D'ailleurs, nous sommes le magistrat qui a été fait compter avec un seul camion, campagne. Actuellement, nous avons environ une quinzaine.
presque une vingtaine même. Et nous avons un don de ville de Miami avec laquelle nous avons un partenariat qui permet que nous soyons capables de commencer à répondre à besoin de la population en termes de services, même si ma propriété travaille, ça pas travail à la mairie, c'est le travail SMCRS. Mais étant donné que SMCRS pas fait travail comme ça doit, donc la mairie lui-même, comme magistrat, c'est lui qui a un leadership là, prend tout dispositif résidentiel. Par exemple, nous pouvons marcher, pourquoi pas pour masser Patra à souhait, puis demain matin le jour à 8h ou même niveau Patra. Et brigade nous en Ibanville, c'est environ une trentaine de brigades économiques seulement, donc le travail est difficile, même si la police n'a pas accompagné nous. Mais il est encore plus difficile pour nous arriver à ce travail effectif dans la ville. Et d'autres stratégies qu'on a mis en place dans l'administration municipale là pour nous recommander nous capables de toucher le centre-ville là de manière plus considérable et inviter du coup SMCRS à faire travail là puis bientôt à collaborer avec nous s'il le faut et il le faut pour que le travail ramassage de Dieu a fait bien. Le magistrat se fait en rencontre avec le sénateur et le ministre accompagné de magistrat Olivier Paulin, dans le souci pour nous, dans l'intercommunalité, pour faire un centre de décharge, côté que nous sommes capables de bien. Une plus grande capacité pour nous gérer, trier et transporter. Pour nous parler d'éducation, on a fait qu'on est rentré l'école là pour poursuivre pour l'année académique 2018-2019 là. Dans l'idée pour permettre la population de connaître comment l'activité est dans le cadre de la troisième semaine de l'école là, l'équipe télévision nationale a fait un petit coup de pied dans plaisir à l'école dans la zone métropolitaine. On a regardé qui j'en s'attayait avec Rachel Saint-Fort et puis Lydie Dieudonné. Selon quelques autres à l'école, il y a déjà quelques dispositions nécessaires pour faciliter rentrer l'école là et puis permettre aux gens de passer une bonne année scolaire ou année académique 2018-2019 là. Directeur vacances PM dans l'école nationale d'Aguesso les finances là, Joseph Léon Maurice, fait qu'on est pour la troisième semaine l'école là, il y a recevoir plus de monde. Et loin, directeur, il y a l'ouvrir, il a fonctionné. Pour la troisième semaine là, nous voyons que comparativement avec deux semaines avant, nous avons eu plus de monde qui commençait à fréquenter l'école. Pas salle de classe, et nous avons dû recevoir 50 à 66 personnes par salle de classe. Mais comparativement, nous disons qu'avec la conjoncture pays à et de la première semaine et deuxième semaine, pour maintenant, nous avons eu un effectif en trentaine. À chaque sa salle de classe. Bon, côté pas directeur du CPT village en manque chol, fait qu'on est pour troisième semaine là, classe remplie qui donc élève au répond présent. Directeur du CPT village expliqué pour qu'on y a des quelques élèves qui ont retiré depuis un jour pour qu'on ait vacation à classe. De l'autre côté, directeur Jean Manchol expliqué pour que c'est au répond présent malgré ses absences légères qui ont enregistré. Il y a travail avec diverses sincérités pour émaner au REA en fonction de généralisation du niveau secondaire dans le CPT. Donc, dans l'effectif, dans environ 50% de première semaine, dans la deuxième semaine, lundi 10 septembre, ce patient-là, nous avons largement dépassé 95%. Donc, environ en 87 à 97% au groupe du matin. Maintenant, troisième semaine, non, troisième lundi, rentrée l'école, non, comme vous très sincèrement, classe toute remplie. Donc ça, laissez-moi comprendre. Et d'après le rapport que nous avons reçu en général, non, qui fait un travail impeccable, petit monde est réuni presque à 100% au groupe du matin. Maintenant, au niveau de l'après-midi, en plus, nous venons capables de chiffrer dans l'ordre de 70 à 80% et bien plus, mais dans pile tout qui habite loin, qui a demandé pour moins 4 ans sur le matin. Vous dire que le volume élève matin est supérieur par rapport au volume élève après-midi. Mais classe, nous sommes censés équilibrer ces mêmes effectivement qui viennent dans chaque salle de classe. Selon le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle là, c'est 192 jours classe qui prévoit pour l'année académique 2018-2019 là.
960 enseignement pour fondamental et 1152 pour secondaire pour faciliter le bon déroulement de l'école. Là, responsable ministère de l'éducation nationale à formation professionnelle dans le cadre d'entre l'école là qui était fait 3 septembre, c'est annoncé un ensemble disposition qui visait à accompagner élèves l'école tant pour garantir sécurité, permettre de bénéficier d'un plat chaud chaque jour. Dans ce qui est pour le transport, responsabilité au fait qu'on est, il y a une flotte environ 200 autobus qui fonctionnent, capacité de transport mondiale dans le pays. On va poursuivre ensemble avec l'Organisation internationale francophonie, OIF, qui organisait un atelier de travail avec formation sous cartographie numérique libre à géomatique libre, lundi 17 septembre, dans l'idée pour former plusieurs professionnels qui ont évolué dans le domaine SILAIO. Darlene Dorival avec Fresnel Toussaint, abdi-nous plus sur ça dans un reportage. Atelier ça qui a duré 11 jours seulement, c'est occasion pour l'Organisation internationale francophonie, OIF, former plusieurs jeunes professionnels dans le domaine cartologie et géomatique libre sur comment ils ont utilisé données OSM et technique cartologie avec outils numériques. Nicolas Chavin, qui est un expert international OSM, profite de faire connaître à travers le projet ça, OIF visé renforcer capacité création, mais tout utiliser et valoriser bien commun. Yo. C'est un atelier en cartographie numérique libre participative du projet OpenStreetMap en géomatique libre et centré en fait sur le thème des données ouvertes. Globalement, il va permettre de se dérouler en trois temps, en permettant de pouvoir se renforcer techniquement sur la création de données autour d'OpenStreetMap, avec systématiquement des solutions techniques qui sont adaptées au contexte haïtien. Dans un deuxième temps, il sera possible de pouvoir travailler à réutiliser en fait ces données à travers des solutions libres pour que les participants soient capables de pouvoir produire leurs propres cartes avec des données OpenStreetMap, mais également en fait d'autres jeux de données disponibles sur Haïti et leur permettant de pouvoir donner une intelligence à cette donnée sur des thématiques ou des territoires qui sont en fait de leur intérêt. Et on a également tout un travail qui est prévu de par la manière dont fonctionne l'atelier, travaillant qui fonctionne sur une formation par le faire, en mode communautaire, de pouvoir préparer l'après-atelier de façon à ce que des groupes qui sont déjà actifs en fait autour d'OpenStreetMap puissent rencontrer en fait d'autres acteurs et ensemble initier des projets de travail pendant en fait le temps de l'atelier et les poursuivre en fait après. On a trois types de participants, en fait, essentiellement. On a, pour une part, des membres du projet OpenStreetMap, qui sont pour certains actifs depuis 2012, dans la ville, en fait, de Saint-Marc, et qui sont déjà membres de ce projet, actifs, en fait, dans ce projet, qui forment, en fait, une base ou un composant communautaire. En fait. 11 jours de travail avec formation sous cartologie et géomatique libre, ça allait dans le sens objectif OIM, dit la bras possible pour former société civile et secteur privé dans le domaine ça. On va poursuivre avec information yo par Boycit pour nous parler sous drame ça qui arrivait dans la nuit samedi 15 pour arriver dimanche 16 septembre blanc côté deux agents police nationale là inspecteur divisionnaire Jean Kaito Casseus et Jackson Corner mourir à balle après un bouche l'ouvrir au Téguien d'après porte-parole PNH là Michel-Ange Louis Jeune porte-parole PNH là expliqué, c'est dans échange tir, inspecteur Jean Kaito Casseus tiré sous Jackson Cornet et puis l'autre monde qui était avec Jackson Cornet tiré sous inspecteur. Là, dis-nous plus dans micro Midre Emilias avec Lydie Dieudonné. En milieu de la nuit et vers les 11h30 minuit, et la police a été informée des incidents qui arrivait dans avenue Muller et Magloire-Amboise. Et ces deux policiers qui impliqués dans la situation ça, et n'ont pas eu une discussion avec eux, son problème de passage pour y en bailler l'autre passé.
et puis nous avons un échange de propos, et puis tout ça, propos a mené à échange de tirs, et voilà, malheureusement, tous les deux messieurs ont mouru. C'est direction circulation, quand il était affecté au commissariat de Delma, qui était responsable de circulation dans la commune de Delma. Alors que police, il y a agent police là qui sont agents de et qui est le Cornet Jackson, 34 ans d'âge. Et monsieur sont un policier qui est en détachement. Donc nous ne pas travailler même côté. Peut-être qu'il y a pas même contre l'autre même. Malheureusement, l'incident s'est arrivé et commandement la police là a déploré la situation. Et couvrir le bien bas pour saluer la famille pour les deux victimes. L'idée que nous sommes capables de faire nous, de ça, c'est que les policiers agents de l'UAN et les pas pour compte. Les pas pour compte, il y a trois autres personnes avec et l'inspecteur lui-même était pour compte, ou bien il était déposé deux autres personnes qui étaient ensemble avec elle. Et il paraît que les policiers agents de l'UAN, c'est les mêmes qui ont bien avant et que l'autre monde qui était avec le commissaire, avec l'agent de l'UAN, il a tiré sur son inspecteur. Nous prenons une dernière pause dans le journal ça, nous tournons tout de suite. Nouveau Premier ministre pays d'Haïti, Jean-Henri Séan, investi officiellement dans le poste lundi 17 septembre. Président Jovenel Moïse installé nouveau Premier ministre, maître Jean-Henri Séan, dans le poste lundi 17 septembre en primature. Secrétariat technique État généraux sectoriel Nation a rencontré plusieurs représentants partis politiques et organisations de base lundi 17 septembre. Divers problèmes politiques pays a fait face, dénominant discussion ça. Dans la nuit samedi 15 pour arriver dimanche 16 septembre, deux agents police nationale mourir à balle après un bouche l'ouvrir au Téguéen, d'après porte-parole PNH, Michel-Ange Louis Jeune. Dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, aux États-Unis, 17 personnes perdu la vie et puis 1 million cailles endommagées suite à passage ouragan Florence dans Caroline du Nord pendant week-end. Merci tout le monde qui t'a suivi téléjournal pour Assoya. Nous remercions toute l'équipe qui t'a mobilisée pour te river rendre les possibles. Et puis nous souhaitons nous tous une très bonne semaine et une très bonne fin de soirée sur Télévision Nationale d'Haïti. Au revoir.